savoir que tout 60 pieds immeuble dans Vendée Globe est obligatoirement doté d'une quille hydraulique qui est contrôlée par des vérins. Comme ça, ça c'est un des vérins qui passe par une pompe. Et voilà, et puis il y a le boîtier, et puis en dessous, il y a diverses des tuyaux qui vont un peu partout. Et ici, il y a la bonbonne, le réservoir d'huile. Donc imaginez la mauvaise surprise ce matin quand j'ai découvert que la bonbonne s'était entièrement vidée dans le fond d'un calmoteur et qu'il y avait une fuite provenant d'un des tuyaux ici sous la boîte. Et j'ai réussi à récupérer toute l'huile. Et voilà un petit peu qui reste là. Et là, le problème, c'était un tout petit joint, celui-là, qui était cassé. Et ça avait fait en sorte que ça vide entièrement le réservoir. Mais bon, je l'ai remplacé, et puis, avec merci à Alvard pour son assistance à distance. Et j'espère que c'est bon maintenant. Alors, à savoir que l'hydraulique, après l'électricité et l'électronique, est mon autre bête noire, parce que je n'ai jamais trop eu affaire à ça, et donc ben voilà, j'apprends. J'espère que c'est bon.